I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce 10e épisode du Wrestle Rock Podcast consacré au monde de la musique et du show business. Mon nom est Benoît Laferrière, je suis en compagnie de mon ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment ça va, mon Joe? Ça va bien, mon Ben, en forme? Très bien, très bien. Yes. Écoutez, comme Benoît l'a dit, on est déjà rendu à l'émission 10, ça va tellement vite. On a, 8 mois derrière la cravate déjà, ça va quand même assez vite, 8-9 mois, on a commencé en février je crois. Ouais, on commençait à se parler de ça fin février, début mars. Ouais, c'est ça, puis écoutez, on a dans les prochaines émissions, on a des belles surprises pour vous, on garde un petit peu la surprise, mais vous allez voir là, dans les prochains podcasts, ça devrait changer un petit peu. Je pitche pas de scoop, mais bref, ça risque d'être très intéressant. Donc, tombons vivement dans le sujet. Puis également, en parlant de musique, j'espère que les gens à la maison ont apprécié notre émission spéciale sur les 25 ans du décès de Tupac. J'espère que vous avez adoré. Oui, c'était un grand de la musique et qui ne se faisait pas aimer nécessairement de toutes les personnes. Mais malgré tout ça, il y a eu une très belle carrière et puis on a pu faire quelque chose d'intéressant. Puis élaborer en masse. Puis c'était le 25e anniversaire de Tupac, donc c'est important de le mentionner. Donc on vous invite à aller sur Spotify ou sur YouTube afin de visionner notre... YouTube balado. Exactement. Et puis commençons tout de suite. Donc est-ce que tu savais que le 12 août dernier, le papa, le père de Britney Spears, une fois de plus... malheureusement, c'est la troisième fois qu'on parle de Britney Spears dans un podcast. On n'a pas le choix d'en parler. Je sais. Aura accepté de ne plus gérer la fameuse tutelle de sa fille, selon TMZ. Ouais, j'ai entendu parler de ça certain. C'est moi qui l'ai écrit, quoi. D'après des documents légaux consultés par les médias à Potin, Jimmy Spears, son père, souhaiterait aussi collaborer avec la cour pour assurer une transition pacifique. Même si M. Spears est la cible incessante d'attaques injustifiées, il ne pense qu'une guerre médiatique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt, a écrit l'avocat de M. Spears dans les documents. Ainsi même, s'il doit contester cette pétition injustifiée par sa révocation, M. Spears a l'intention de travailler avec la cour et la nouvelle avocate de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur, ajoute-t-il. L'avocat de Jamie Spears poursuit en indiquant que son client a toujours eu les meilleurs intérêts pour sa fille à cœur, qu'il sera toujours le père de la chanteuse et qu'il va toujours l'aimer. Ah, c'est sûr, c'est un amour inconditionnel, mais malgré qu'elle a eu beaucoup de problèmes dans le passé. Oui, ils ont eu certains différends, mais ça... C'est ça, exactement. Ça peut pas toujours marcher à 100% comme on yes, veut. Yes. Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, la chanteuse québécoise, le 16 août dernier, a affiché sur les médias sociaux qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Ce deuxième petit trésor devrait voir le jour en janvier 2022. Faut se rappeler aussi qu'elle est déjà la maman de la petite Romy qui est née d'une union précédente en 2012. Alors, on souhaite du bonheur à elle et à sa petite famille. Donc, quand tu dis que c'est une union précédente, j'imagine qu'elle s'est séparée de son ancien amoureux puis est rendue avec un nouvel amoureux, c'est ça? Ouais, ça ressemble à ça, ouais. OK, super. Simon Gallop, bassiste de The Cure pendant 40 ans, a annoncé le 14 août sur les médias sociaux qu'il quittait le band, dans le fond. Âgé de 61 ans, Gallop a rejoint The Cure en 1979. Il apparaît sur l'album 17 Seconds de 1980, mais quitte le groupe une première fois en 1982 à cause de certains différends avec le chanteur Robert Smith.
Lorsqu'il est revenu en 1984, il a connu les grands succès de la suite de l'album The Head on the Door de 1985 et a été l'un des piliers de la formation depuis. Ces lignes de basse répétitives faisaient partie de la signature du groupe, de Cure bien entendu, au même titre que la voix tiraillée de Robert Smith. Simon Gallup n'est pas le seul membre du groupe à avoir quitté et effectué un retour par la suite. En effet, le guitariste Paul Thompson et le claviériste Roger O'Donnell ont également agi ainsi, mais ils étaient après Robert Smith, le deuxième plus ancien membre de The Cure. Ça a bougé beaucoup. Toutes les bandes hein, de ces années-là, il y a des gens qui rentraient, puis il y a des gens qui sortaient, il y a eu des chicanes, puis tout ça, ça bougeait pas. Ouais, des fois, le chanteur se fait remplacer, des fois, c'est le bassiste, des fois, c'est... Je reviens encore avec mon Kiss, mais tu sais, à l'époque, c'était Peter Criss, puis Ace Frehley. Peter était le drummer, Ace Frehley était le lead guitar. Ils ont été remplacés une première fois par... Eric Carr qui est décédé, qui a été remplacé par Eric Singer. Après ça, il y en a eu plusieurs par la suite là, qui ont remplacé Ace Frehley. Il y a eu Mark St. John, il y a eu j'ai un blanc, Bruce Kulick, et puis maintenant il y a Tommy Thayer, donc il y en a eu beaucoup, tu sais. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu sais. Je pense à Guns N' Roses. Qui maintenant, si je ne m'abuse, et tu me corrigeras si je me trompe, ouais, vas-y. Mais je pense que c'est plus Axl Rose, le chanteur de Guns N' Roses. Je pense que c'est encore lui. Pourquoi? C'est encore lui. Ben, je peux me tromper, il me semble. Il me semble, j'ai vu passer que c'était pas le chanteur des CDC qui était rendu le chanteur de Guns N' Roses. Ou peut-être qu'ils ont fait une tournée ensemble et se partageaient la voix, peut-être. On va fouiller. Parce que ma connaissance, c'est encore Axl Rose. Dans le fond. Ouais, explique-moi ça comme photo. Ouais, c'est ça. Le 16 avril 2016. Ah, ça fait 5 ans, tu sais. Ouais, c'est ça, je me suis trompé tantôt. Ils ont fait une tournée avec. Guns N' Roses ont fait une tournée australienne avec AC/DC. Et puis, Axl Rose a rejoint, dans le fond, le groupe en tant que chanteur principal pour le reste de la tournée. Ah, la fameuse tournée Rock, Rock Harvest. Ok, c'est. Quand ils ont sorti leur album Rock Harvest. Fait que ça a été occasionnel. C'est ouais, pas ouais, à temps ça. Plein. Okay, non, c'est ça. Non, c'est bien correct. C'est moi qui s'est trompé. Mais bref, il a fait quand même une. Il a fait quand même une bonne prestation. C'est ça, exactement. Donc, revenons à nos moutons. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ben non, c'est pas grave. Mais là, parlant de chanteurs, là. On parlait de Slipknot puis de Joey Jordison à un moment donné. T'avais pas quelque chose à dire sur Corey Taylor? Des belles nouvelles à propos de ça? Yes, récemment, Corey Taylor, dans le fond, et son groupe solo ont passé de beaux moments sur la route. Ouais. Ils ont offert à la foule, lors d'un show, une reprise de Wait and Bleed de Slipknot. Puis à Springfield, Missouri, ils ont été maquillés comme Kiss. Ils ont été maquillés comme Kiss? Ah oh, ouais, c'est vraiment nice. Ils se ressemblaient pas pire? Ouais. Non, ouais, c'était cool. Ça, c'est les photos que tu m'avais envoyées à m'amener. Yes, ouais, ça ressemblait. Ah oh, ouais, c'était cool. Puis d'ailleurs, en parlant de Joey Jordison, qui est décédé récemment, il y a quelques mois, l'ancien drummer de ouais, Joey Jordison, qui avait 46 ans. Ouais. Le magazine Metal Hammer vont sortir un magazine spécial en son honneur. Un beau magazine rempli de photos et d'histoires. Ça va sortir fin septembre, début octobre. Donc, okay, Hammer, allez voir ça. Comme les cahiers 7 jours, là, quand il y en a un qui meurt. Là, exactement, au Québec, mais là, c'est vraiment plus axé sur le show business. Là. C'est un peu comme un Times Magazine, mais axé. Puis j'imagine qu'il va faire la une du Modern Drummer. Qui se trouve à être sorti hebdomadairement, pas hebdomadairement, mais mensuellement. J'imagine que suite à la perte de ce gaillard, j'imagine qu'il va faire la page couverture aussi du magazine Modern Drummer. Oui, il y a des bonnes chances. Là, je te vois venir là, dans ta face. Là, tu veux, je te parle de Steel Panther. Hein? Yes! C'est maudit, oui. Ben, Steel Panther. Oui, moi donc. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que Steel Panther est à la recherche d'un nouveau bassiste. Et voici les règlements pour les auditions. D'un, il faut que vous soyez garce. De deux, vous devez télécharger une vidéo de vous en train de jouer n'importe quelle chanson de Steel Panthers. Ben, tu le, peu importe. Oh, ouais, peu importe. La troisième condition, c'est de télécharger une vidéo de vous
vous présentant à Steel Panthers, expliquant pourquoi vous devriez être notre bassiste. Ben, le bassiste de Steel Panthers. Parce qu'ils font comme des auditions. Mais ils n'ont rien inventé, là, tu sais, Steel Panthers. Ah, c'est pas les premiers à faire ça. Non. Est-ce que tu te souviens, à l'époque, Metallica avait fait la recherche pour remplacer le bassiste. Et puis, ça a été le nouveau bassiste là, qui ressemble beaucoup à Roman Reigns. Là. Les cheveux longs avec la barbe, mais c'est vrai qu'il ressemble à Roman Reigns. Il y a eu aussi, à une certaine époque, pour remplacer le drummer de Dream Theater, qui était... comment il s'appelait déjà, le drummer de Dream Theater? Ça m'échappe. Ah, moi tout, je l'ai sous le bout de la langue. Là. L'ancien drummer était Mike Portnoy. Et puis, quand ils ont sorti l'album bleu avec le petit bonhomme en tricycle sur un fil, je me souviens pas du nom de l'album. Non, moi non plus. Mais c'est un excellent album. Puis, ils ont passé des auditions pour trouver un nouveau drummer. Ils ont passé des très grands drummers là-dedans. Je les connais pas tous, mais je me souviens de Virgil Donassi, qui est un maître c'est un clinicien de la batterie. Et puis il a passé Mike Mangini, et puis c'est Mike Mangini qui a reçu un appel pour faire maintenant partie du groupe Dream Theater. Donc voilà. Mais c'est pas, comme tu dis, c'est pas les premiers à avoir fait ça. T'sais, quand t'écoutes The Dirt, l'histoire de Motley Crue, là, t'avais Tommy Lee qui était au drum, puis t'avais Nicky Six à la bass. Mais là, quand je recherchais un guitariste, là, il y en a qui ont passé des auditions. Finalement, c'est Mick Mars qui a eu le poste. Ben oui. Puis ils cherchaient un chanteur qui avait une belle gueule, un sex appeal, puis ils ont trouvé Vance Neil. C'est ça. Chantait genre sur une beach, un beach partout, je sais pas trop. Il y avait toutes les petites filles après lui. Mais yes, c'est ça pareil. C'est ça. Même ça marche, c'est des auditions. Faut-tu te mettre d'accord sur. Ben oui. C'est comme ça qu'ils commencent à faire leur groupe, puis j'imagine qu'il doit avoir beaucoup d'anecdotes en lien à plein de groupes qu'on connaît pas, puis que ça serait peut-être intéressant éventuellement de faire un spécial là-dessus, tu sais. Juste de sortir des anecdotes croustillantes de des bandes, de des trucs qui se sont faits, tu sais. Je me souviens, je t'ai montré récemment une vidéo de Ace Frehley dans un hôtel qui sciait avec une chainsaw on sait tous qu'il était à jeun. Il était à jeun, c'est sûr, ça. Il n'avait jamais consommé. Là. Des pattes de bureau dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. C'était assez intense. Il lançait des divans par la fenêtre. Continuons notre belle lancée. Donc, le 24 août, c'est ça. Au dernier, il y a eu une triste nouvelle dans le monde de la musique. Est-ce que tu veux en discuter un petit peu? Oui, mesdames et messieurs, malheureusement, le batteur, un des meilleurs de tous les temps, le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, qui est malheureusement décédé à l'âge de 80 ans dans un hôpital de Londres en Angleterre. Est-ce que tu penses que les Rolling Stones vont continuer à faire des spectacles, pourraient peut-être éventuellement engager un nouveau batteur pour poursuivre un petit peu leur lancée? Je sais que les Rolling Stones sont rendus âgés. Là, on parle de Charlie Watts qui est à 80 ans. Ouais, Mick Jagger, 77, 78. Ouais, c'est ça. Mais les gars sont quand même encore en forme. Keith Richards est quoi, 79 à peu près? C'est ça. Dans ce coin-là. T'en penses quoi, toi, là-dessus? Ouais, c'est dans le domaine des possibilités. S'ils veulent continuer, c'est sûr. Hein, jouer mal Mick Jagger à les drummer en arrière. Là, comme, C'est sûr. Écoutez, il y a plein de belles possibilités. Tu sais, Glenn Frey dans Eagles, il le faisait, là, il drumait puis il chantait en même temps. Là. Ah ouais, puis il y a eu aussi, débile, il y a eu Phil Collins aussi à une certaine Ringo époque. Star. Ringo Starr. Il drumait puis il chantait. C'est ça. Tous des très bons musiciens. De grands musiciens. Britanniques, hein, quand on check ça. Les trois qu'on a nommés, c'est des Britanniques. Ouais, c'est malade. Hein. C'est malade. Quand tu penses à ça, là, c'est là que tu te rends compte qu'il y avait vraiment genre... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN des Ah, mais les Eagles, c'est-tu britannique ou américain? Hey, tu me poses une question, mais je sais que les Rolling Stones, c'est. Ringo Starr, c'est tout européen. Tu sais, je pense pour un niaiseux, là. Phil Collins et compagnie, mais tu sais. Fait que c'est ça, dans le fond, tu sais, je parlais que les musiciens du UK, dans le fond, ils étaient très versatiles, tu sais. Je pense à The Muse. Oui. Que s'il voudrait, il pourrait s'interchanger. Le guitariste pourrait être le bassiste pourrait être le drummer et ainsi de suite. Le groupe à ta blonde, ça? Ouais. Ah ouais. Les Rolling Stones, j'imagine que c'est un peu la même chose. Je me souviens aussi, tu sais, j'ai lu récemment le livre de Phil Collins. Puis Phil Collins disait que, tu sais, il avait écrit certaines chansons de Genesis avec Peter Gabriel, mais que, tu sais, il jouait un peu de guitare. Mais à la base, Phil Collins était un drummer.
Donc, voilà ma petite parenthèse. Ah, puis les Eagles, je pensais ça, c'est américain. Ouais, je dois bien niaiser de pas penser. Non, ben non, c'est pas grave. En parlant de groupe américain, si je ne m'abuse, ah, c'était l'anniversaire de quelqu'un de très spécial récemment, le 25 août. Ouais, ben c'est un groupe britannique, c'est Bon Fight. C'est britannique? Ouais, oui, okay. Rob Halford de Judas Priest qui a fêté 70 ans le 25 août dernier. Ok, ben écoute, on est... Tu voulais nous parler tout de la santé de Paul Stanley. Ça a l'air qu'ils ont cancellé un show le 26 août dernier. C'est quoi que c'est passé avec Paul Stanley, donc? Paul, dans le fond, il semblerait, il y avait des rumeurs qu'il aurait été testé positif à la COVID-19. Donc, il y aurait... Mais ça a été confirmé, il me semble. Oui, j'ai vu ça passer. Là, il semblerait qu'il aurait annulé une partie des spectacles, mais... C'est vrai qu'il est plus jeune, là, le Paul Stanley. Là. Il doit être pas chanté 10. Non, oui, fait que tu sais... mine de rien, les spectacles ne seront plus jamais comme ils étaient, où on était très serré dans la foule et embarqué presque pratiquement un sur l'autre. J'imagine que les spectacles seront beaucoup plus vastes dans les prochains mois et années. On va parler d'une vedette country québécoise. Eh bien, le grand Patrick Normand, le 10 septembre dernier, a fêté son 75e anniversaire. Alors, bonne fête, Patrick Normand. Né Yvon Étier, bien entendu. Yes, yes, yes. Nous avons appris le 10 septembre dernier le décès du bassiste Roger Newell, qui était surtout connu pour son travail avec le claviériste de Yes, Rick Wakeman. Il est décédé à l'âge de 73 ans d'un anévrisme du l'aorte. De l'aorte, ouais. Ah, la grosse veine du cœur, on l'apprend bio. Okay, ouais. À la suite d'une longue bataille contre la maladie cardiaque. Et nous allons enchaîner maintenant sur Mudvayne. Eh bien, c'est en fait arrivé. Mudvayne a joué son premier spectacle en plus depuis 10 ans à peu près. Ouais, ben oui, comme il faut presque. Faisait un bout qu'on n'entendait plus parler. Il y avait des rumeurs. Là. Mm-hmm. Le groupe de métal alternatif qui change de forme, le chanteur Chad Gray, le guitariste Greg Tribbett, le bassiste Ryan Martini. Greg Valentine, là, Greg Tribbett. Oh, oui. Et le batteur Matthew McDonough a pris la scène au c'est comme un mélange de McDonald's et de Dunkin' Donuts. Exactement. A pris la scène au Incarceration Music and Tattoo Festival à Mansfield, en Ohio, le 11 septembre dernier. Mettant en exécution une réunion anticipée qu'ils ont annoncée en avril dernier. Les fans ont réclamé une reformation depuis des années, comme tu disais, avec des rumeurs de plus en plus intenses avec le 20e anniversaire qui approchait du premier album de Mudvayne. LD50. Pour ceux qui se demandaient à quoi pourrait ressembler Mudvayne en 2021, la réponse a été un retour satisfaisant en 2000. Donc, ça faisait 21 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds sur scène. Eux autres, ils arrondissent. Moi. C'est ça. En ce qui concerne Gray, qui a même secoué la blessure par balle au front et à la balle. Donc, c'est ça, en fait, il y avait des nouveaux costumes. Fait que, bref, la prochaine étape pour Mudvayne sera des représentations à Louder Than Life le 23 et 26 septembre à Louisville, au Kentucky. C'est dans pas long, ça. Yes, il y a Aftershock du 7 au 10 à Sacramento, en Californie. Et Welcome to Rockville, du 11 au 14 novembre, à Daytona, en Floride. Du 23 au 26 septembre prochain, bien entendu, il y aura un festival à Louisville, Kentucky, mesdames et messieurs. Et là, je parle pas du restaurant Kentucky avec le Colonel Sanders. Le nom, ça va s'appeler Louder Than Life. Ouais, fait que c'est ce que je parlais juste avant, dans le fond, le Louder Than Life. Ah, ok, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec en vedette, excuse-moi, t'es interrompu. Non, c'est bien correct. Avec en vedette Metallica. Judas Priest, Fozzy avec Chris Jericho, ça va rentrer. C'est fort, là. Snoop Dogg, Korn, Cypress Hill, etc. Nous avons appris récemment que... Tous les goûts. Nous avons appris récemment que Disturbed devrait remplacer Nine Inch Nails lors de cet événement, après que ce dernier groupe a annulé tous ses plans de tourner cette année. C'est dommage que Nine Inch Nails n'a pas pu faire l'événement, puisque c'est un très grand groupe. Par contre, Disturbed devrait livrer la marchandise. Ouais, ça devrait être un bon remplaçant. Ils sont toujours excellents. Volbeat et Atreyu ont également été ajoutés au festival, bien qu'ils ne remplacent personne. C'est, c'est un petit rajout comme il y a déjà eu dans des groupes. Là. C'est ça. Il reste un petit tour d'une demi-heure à jouer 3-4 tunes. Ça s'est fait souvent. Yes. On va parler de ta chanteuse, mon chum. Ah ouais. Oui, c'est ça. Non, mais elle est bonne. Ma chanteuse fétiche. Ah non, mais elle est cool. Moi, je l'aime pas. Je m'étonne jamais d'écouter. Ben oui, ben.
On se souvient, là, tu sais, au début des années 2000, là, tout le monde écoutait I Feel Like a Woman de la belle Shania Twain, qui a révolutionné le country féminin, une des meilleures chanteuses de tous les temps. La Hogan du country, oh, dis-le. Ça, a annoncé le 14 août des nouvelles dates pour son spectacle intitulé Shania Twain, Let's Go, de Las Vegas Residency au Zappos Theater du Planet Hollywood Resort and Casino. Ça, c'est ton affaire que tu me parlais avec Kiss à un moment donné. C'est cet endroit-là, je pense. Au même endroit? Ah ouais. Je pense que oui. Ah ouais, ça se peut très bien. Les spectacles auront lieu du 2 au 21 décembre 2021 et du 11 au 26 février 2022, y compris une représentation spéciale pour la Saint-Valentin. Avec Shania elle-même en tant que directrice créative, Shania Twain, Let's Go de Las Vegas Residency est un concert célébrant l'une des premières têtes d'affiche de la musique country et féminine de Las Vegas qui a ouvert la voie à d'autres résidences de superstars à travers la ville, mesdames et messieurs. Ouais, fait que je retire tes mots que tu as dit tantôt, c'est vraiment la Hogan du tu approuves, tu veux dire. Mais oui, j'approuve, je retire pas, mais je répète en fait, excuse-moi, non, c'est bien correct. L'expression, mais effectivement, c'est la Hogan du country. Conçu exclusivement par le Zappo Theater et promu par Live Nation et Caesars Entertainment, la production à haute énergie est une fête non-stop, amenant les fans dans un voyage spectaculaire à travers le catalogue monumental de succès de Shania Twain. On parle de Man, I Feel Like a Woman, You're Still the One, That Don't Impress Me Much, and plein d'autres, et j'imagine qu'il va y avoir des surprises, peut-être des features, des artistes invités. Ouais, bon, des surprises, ça c'est bien certain. Ah, c'est certain, c'est toujours bon. Les spectacles à Las Vegas, c'est toujours bon. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse au niveau des spectacles de Las Vegas. Ouais. Il semblerait, c'est des rumeurs, mais j'ai écouté une entrevue de Céline Dion il y a quelques années, ouais, qui affirmait que lors des spectacles de Céline Dion à Las Vegas, c'était au Caesars Palace, si je ne m'abuse, elle aidait à faire rouler l'économie. Et quand Céline Dion a arrêté de faire des spectacles à Las Vegas, il semblerait qu'il y aurait eu un creux au niveau économique avec Las Vegas, et ils ont ramené Céline Dion, ouais, mais c'est exactement pour ça, pour une tournée, et puis ça leur a ramené l'économie. Donc, c'est un petit peu une petite blague à part, elle sait ben non, pas ben trop, tu sais. Puis là, la personne qui l'interviewait, c'était un Québécois ou une Québécoise. Ah! C'est Guillaume Lepage, à tout le monde en parle. Ah, ben oui, une couple d'années, ouais. Ben, Criff, tu pourrais venir à Québec, puis ça pourrait nous aider à faire à remonter un peu notre économie. Fait que, bref, c'est ma petite parenthèse. Continuons avec Shania Twain. Ouais, pour venir à Shania Twain, tout au long de cette soirée inoubliable, Shania éblouit le monde avec 8 costumes de couture différents conçus par le célèbre créateur de mode, Mark Bauer. Wow. Bien avant dès maintenant. De plus, Shania, Live Nation, Las Vegas et Caesars Entertainment font un don de 1$ de chaque billet acheté à Shania Twain. Let's go! La résidence de Las Vegas au Planet Hollywood Resort and Casino à Shania Kids Cannes. Ça, c'est une fondation créée en 2010 par Shania Twain, okay, qui aide les enfants confrontés à la pauvreté et aux crises dans leur jeune vie. Car ces enfants ont besoin d'un coup de main et d'une raison de croire qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est le fun de voir des artistes qui... Il y en a beaucoup, là, que... des fondations comme ça. Il y en a qui s'impliquent dans des... Il y en a une qui me vient en tête, mais c'est pas un grand artiste, mais tu sais, il y a la fondation Charles Bruno. Ben oui, mais c'est... Tu sais, c'est une grosse fondation. Braille de Bessic à tous les années. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs à l'international. Jean-Luc Mongrain, les petits déjeuners, là. Ben oui, il y avait le club des petits déjeuners aussi. Les petits enfants qui reviennent dans l'estomac, là. Ouais. Non, ben oui. Même au lieu de manger un bol de roche, ben il mange de quoi? Mange deux toasts et un bol de céréales. C'est ça, on a une claque sur la gueule et manger une sandwich au taux de crêton. Escossais propose des programmes et des services de soutien pour assurer que ses enfants acquièrent les compétences nécessaires pour faire face et surmonter les difficultés familiales. Ce qui, à son tour, améliore leur capacité à réussir à l'école et à réussir dans la vie. Pour plus d'informations sur la fameuse fondation de Shania Kids Can, veuillez visiter le www.shaniakidscan.com. www.shaniakidscan.com. Bref, cherchez Foundation Shania Twain. Il est dans son site internet à nous. Oui, c'est ça. Le groupe Kip a... le groupe Kip. Monty Kip Soap. Le groupe
Kiss a récemment annoncé qu'ils vont faire des shows à Las Vegas aux Abu Theater Planet. Hey, qu'est-ce que je te disais, face de cochon? Qu'est-ce que je te disais? La grosse face de cochon, elle a pas écouté Beben. Un petit bruit de fête. Ils vont défoncer l'année 2022 avec des performances les 29 décembre, 31 décembre et le 1er janvier avec des shows additionnels dans leur cédule. Ils vont défoncer l'année, mais moi je pense que Gene Simmons va défoncer d'autres choses aussi. Il va défoncer des portes. Exactement. Il va sauter la clôture. C'est ça. On va manger des All Brand. Nous sommes maintenant rendus à la partie divers musique, show business, mesdames et messieurs. T'avais de quoi à dire, Queen, toi? Ouais, ben dis-le, il va me t'avoir. Ah, tabarnache. Ok, figurez-vous que Queen est en train de regarder les différents scénarios pour faire une suite à Bohemian Rhapsody, sorti il y a 3 ans, puis ça a été un très bon succès, un succès monstre, ce film-là. Oui, effectivement, dans le fond, Queen et l'équipe de l'ancien Bohemian Rhapsody qui, au box-office, aurait fait comme 52 millions de dollars à produire et aurait rapporté un 900 millions au box-office. Ils sont dans les argent en masse. On se souvient que l'acteur qui faisait, dans le fond, Freddie Mercury, aux Oscars, a remporté un Oscar pour le meilleur acteur. Tu parles de Rami Malek? Oui. Ah oui, oui, pareil. Je ne l'ai pas vu encore, mais pareil qu'il est très bon. C'est excellent. Puis, pour revenir au scénario, il semblerait que, dans le fond, Brian May a affirmé que Queen regardait, comme tu dis, les différents scénarios éventuels, probablement qu'ils vont faire des ajustements pour s'assurer que ça soit quand même assez fidèle, un petit peu comme la première version qui a été tournée l'an dernier. OK. Il avait déjà refusé de faire une suite au film pas plus tard que l'année dernière, comme quoi cet excellent scénario en question est peut-être en train de se développer. On raconte que la suite du film pourrait, entre autres, couvrir le décès de Freddie Mercury en novembre 91 du sida, malheureusement. Ouais, ouais. Cette maudite maladie-là. Le premier long métrage ne montrait pas la fin de la vie de Mercury. C'est vrai. Ouais, ça va, tu... On n'en parle pas, on voit qu'il commence un peu à être malade, mais tu sais, rien de plus. Là, on voit que... on voit clairement là, qu'il ouvrait son homosexualité, qu'il a eu des... Je pense qu'il a annoncé ça une journée avant de mourir. Une certaine alliance physique et sexuelle avec son manager de l'époque qui était homosexuel, etc. Puis on voit là, un petit peu dégrader tout le scénario qui s'y rattache. C'est ça, là, comme tu dis, le premier film, ça se termine plutôt sur l'excellente performance de Queen au Live Aid de 85. C'est ça. Bref, un dossier à suivre. Yes. Le 14 septembre dernier a marqué les 25 ans du décès de Madame Rose Ouellette, alias Lapoune, considérée comme l'une des plus grandes dames de burlesque au Québec. Elle décéda à l'âge vénérable de 93 ans, avec plus de 70 de vie d'artiste. 70 ans de vie d'artiste, c'est faut le faire pareil. Oh, mais elle a lâché l'école en première année, genre, tu sais. Dans ce temps-là, c'était... Ah, mais ça a toujours été vivante dans le cœur des gens. Malgré qu'il était laid comme un singe, j'avais quand même un certain charisme. Puis, mais Hogan du burlesque, ouais, dis-le. C'est ça, tu sais. Puis, elle avait un chapeau comme Tugboat. Ben oui, ben oui. Yes. Il a été confirmé que l'artiste polyvalent Grégory Charles fera son retour en tant que professeur de chant lors de la prochaine édition de Star Academy. Yes, je voudrais ouvrir une petite parenthèse à propos de Grégory Charles. J'ai deux trucs à propos de Grégory Charles. Il chante, il danse, il joue du piano. La première, dans le fond, mon ami François Gauthier Lepage. Salut mon Frank. Qui demeure à Montréal, travaille au Casino de Montréal. Oui. Puis, il rencontre souvent Grégory Charles. Ouais, ben là, le croisine. Ouais, ouais, ben. Grégory Charles, il vous gamble une fois de temps en temps. Mais non, mais Grégory a fait beaucoup de spectacles. Ah, ok, je pense. Ouais, ouais. Ok, gamble pas, non, la fois. Okay. Non, c'est ça. Je m'excuse, Grégory, je ne traite pas de gambleur. En parlant de Grégory et de rencontres, ouais, vas-y. Moi, je l'ai rencontré, Grégory Charles. Je l'ai rencontré, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Ah, ouais, tu m'as jamais dit ça. Je l'ai rencontré quand je suis allé à Manhattan, à New York.
Ah oui, quand ton voyage organisé à New York en autobus. Je suis allé, dans le fond à New York, puis j'attendais de prendre l'autobus, j'attendais de prendre Greyhound, puis qui que je vois pas sur le coin, de la rue, c'était Grégory Charles. Oui! Fait que je commence à jaser avec lui. Je lui demande « Bonjour Monsieur Charles, ça va bien? » Il me dit « Oui, ça va très bien. » T'aimes-tu la lutte? Personne super, super... C'est pas lui qui aimait la lutte? Ben non, pas tout. J'ai dit... puis c'est une personne super accessible, c'est ça que j'ai vraiment... Oh oui, il s'en fout pas la tête, il est correct, ce gars-là. Monsieur Charles, je dis, est-ce que vous êtes en voyage, Monsieur Charles, ou quoi que ce soit? Il me dit non, mon cher ami, j'ai un appartement, moi aussi, à Manhattan. Puis il me disait que dans le fond, c'était un appartement qui était... C'est comme un héritage, dans le fond, qu'il avait reçu de sa famille. Ben, il fait un navette entre New York et Montréal. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, dans le fond, il est souvent dans ce coin-là. Fait que j'imagine qu'il doit éventuellement travailler beaucoup aux États-Unis. Si je ne m'abuse, là, je crois qu'il avait fait quelques spectacles aussi dans ce coin-là, là, New Jersey, New York, pour essayer de développer un peu plus l'anglais de... parce que, tu sais, c'est un... Grégory Charles, c'est un virtuose, là, tu sais. Oh, oui, il a fait beaucoup de spectacles ici au Québec où il invitait les gens à écrire des chansons sur un bout de papier avant d'aller s'asseoir dans les spectacles et de déposer ça dans une boîte. Puis lui, il montait sur scène, hein, puis il disait « Bonjour tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. » Il ouvrait la boîte, il prenait un bout de papier, c'était une chanson, il la faisait. Tu sais, il a un don, ce gars-là. Il est unique, là. Ouais, il est vraiment... Lui, il va te chanter, peu importe la langue à part de ça, là. Ouais. Dans le temps de l'émission « Demande spéciale », c'est des ancêtres de Star Academy là, qui animaient ça. Il pouvait chanter c'est une chanson en suédois ou en italien. Là. Peu importe la langue, il va te la chanter. Ah, ouais, c'est débile ce qu'il fait. C'est génial. Il est unique, ce gars-là. Ah, oui, vraiment. Un bel artiste à découvrir si jamais vous avez jamais vu cet artiste-là, vous pourrez taper sur YouTube. Donc, c'est ici que se termine l'émission 10 sur la musique du Wrestle Rock Podcast, musique et actualité, comme tu sais bien, comme tu l'as bien dit au début. Ben, j'ai essayé, oui. Yes. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais en co-animation avec Benoît Laferrière. Merci, mon Ben. Merci, ça me fait plaisir. Alors, n'hésitez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, de liker notre vidéo. Et on se retrouve pour un éventuel Wrestle Rock Podcast. Alors, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy. A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, sweet baby Jesus in the office.